Bien le bonjour, dans cette vidéo je vous propose un petit quiz sur l'avifaune française avec des espèces communes. Bien sûr ce sera easy pour un amateur d'ornithologie, mais perso j'aurais fait ce quiz il y a quelques mois, pas sûr que j'aurais eu la moyenne. Pour jouer c'est simple, à chaque fois qu'une nouvelle espèce apparaît, vous avez un numéro en haut à droite, ce qui vous laisse le temps de deviner l'espèce. Puis le nom d'espèce apparaît, et si vous avez bon ça vous fait un point. N'hésitez pas à mettre votre score en commentaire à la fin de la vidéo, et sur ce, bonne chance! C'est pas ouais, c'est un pinson, c'est un pinson des arbres, non? Antoine Pinson? Le mâle est plein de couleurs, mais la femelle. Ah ouais, la femelle est pas colorée du tout. Non, c'est ça la femelle, je la confonds souvent avec une femelle moineau. J'avoue. C'est un peu n'importe quoi en fait son cri, non? Dis pas ça, ça va l'énerver. Oh non! Et à côté, tête de chardonneret, toujours le pinson qui est de dos. Attends, le pinson c'est celui qui est à gauche? Ah, ouais, c'est ah, c'est relou. Ah oui, ah oui. Alors le ramier pour le choper, alors déjà la taille hein, c'est quand même costaud. Tourterelle, elle a une marque noire sur le cou. Ouais, et puis là on voit une espèce de, je sais pas si vous voyez la tasse de lait. Tu vois comme un trait blanc, ouais. Une démarcation blanche comme ça. Et puis moi la tourterelle c'est vraiment la
la petite marque. Et bon, là l'avantage qu'on a avec le ramier, c'est qu'il a, on voit son triangle blanc du coup. Et la tourterelle, c'est le cri là, c'est ouh. Alors la tourterelle, ça fait... Ouais, c'est ça. Alors elle fait ouh. Elle en fait trois fois. Et puis le ramier, c'est... C'est le... Ouais, on a trop de l'audit derrière, et là c'est l'accent emmouché. D'accord. Ah, il est là, je l'ai aussi, je l'ai sur mon appareil, il est là. Faut le trouver quand même. Oh, putain, trop bien. C'est lui qui vient de faire du bruit là. On le voit taper avec sa tête. Non, c'est une mésange. C'est une mésange. Mésange. Alors attends. Ah, oui. Putain, je sais pas, charbonnière ou bleu, mais même. Charbonnière, elle a une cravate. Elle a une cravate noire. Ah mais là il y a un truc là. Où ça? Alors, comment expliquer où est-ce que je suis? Je sais même pas où je suis. Tout en haut? Non, par rapport à tout en haut, je crois que c'est au deuxième étage de feuilles. D'accord. En fait, ouais. Alors, la carte, on reprend la carte de la maison. Ouais. Attends, c'est la carte, c'est la... Le toit là, enfin la porte. Ouais, ok. Du toit, on longe dedans. Et à un moment donné, là, attends là. Ouais. T'as une grosse branche. Ah, je le vois. Tu l'as? Ouais, je l'ai. Il est en train de se nettoyer. Là, les deux dos, ils se gratouillent. Là, il bouge plus. Il est en boule, il bouge plus, là. Ah, oh ouais, là. Ah, oh, putain, là, j'ai eu sa tête. C'est qu'il remonte comme ça. Oh, il s'est retourné. Voilà, c'est ça. C'est le ventre blanc, on voit. Ouais, on voit le ventre blanc, là. Super.
C'est un oiseau. On le reconnaît grâce à ses ailes et sa façon de voler. Je l'ai. Ouais, c'était si bien. Il rate, ça fait deux fois qu'il rate sa fois. La grue derrière. Bah, c'est dommage. Bah, non, mais c'est marrant, dire qu'il est au bout de la grue, qu'il est géant. Il y a un aigle, machin, c'est mais. Sur la gauche ou la droite? Ah, oui, d'accord. C'est marrant parce qu'il est en train de mater la pie. And shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build up castles in the skies and in the sand. Design our own world, ain't nobody understand. The palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends.
C'est tibétain ça? C'est du tibétain. Carton rouge là.